méditation. Attention, observation, concentration. L'attention. L'attention, c'est le support de l'acte conscient. C'est véritablement le premier stade efficace pour amener à la concentration. L'observation. L'observation, c'est porter son attention sur un objet, une personne, en fait, en utilisant consciemment ses sens. On appréhende l'objet dans son ensemble, puis dans ses détails. Enfin, on en recherche la caractéristique. Le mental est alors dans un état de réceptivité. Le témoin que nous sommes, au centre de l'esprit, est appelé aussi l'observateur et l'objet, l'observé. Lorsque l'observation est bien conduite, l'objet est mémorisé chez l'observateur avec un effort minimum. L'observation est le deuxième stade conduisant à la concentration. La concentration. Faire converger les rayons du soleil au foyer d'une loupe, c'est concentrer en ce centre l'énergie solaire et on en connaît la puissance qui peut alors être utilisée. De même, si nous pouvons focaliser notre pensée sur le principe de toute chose, nous connaîtrons alors la puissance de cette pensée. Nous pourrons l'utiliser à des fins utiles. Il nous faudra apprendre à la doser. L'ambiance. D'après Littré, dictionnaire de la langue française, c'est l'environnement physique des êtres vivants, milieu moral ou intellectuel. Pour nous, ce terme sera employé ici dans un sens beaucoup plus large. Dans le créé, monde de la manifestation, tout vibre, y compris ce que nos sens humains limités considèrent souvent comme inerte. Les microscopes sophistiqués de nos savants modernes ne nous laissent plus aucun doute à ce sujet. Toute vibration engendre de la lumière, des couleurs, des sons, de la chaleur, etc. Et ces vibrations donnent naissance à des ondes de plus ou moins grande amplitude. L'ambiance peut être considérée comme la résultante de toutes ces ondes. Dans le yoga de l'énergie, la détection et l'appréciation de toutes ces ambiances qui évoluent, qui se transforment sans cesse, revêtent une importance considérable. Comment peut-on espérer agir sur soi bénéfiquement sans cette appréciation constante de l'évolution de son ambiance personnelle? Agir dans quel sens? Principe de l'ambiance. Jetons une pierre dans une mare dont la surface de l'eau est calme. Du point d'impact de cette pierre avec la surface de l'eau, se forme aussitôt une série de cercles concentriques. Le centre de ce cercle, point d'impact de la pierre, est le principe de l'ambiance ainsi formée. Toute ambiance a son principe, et il suffit d'agir sur ce principe pour agir sur toute l'ambiance. Mais une autre pierre, jetée à quelques centimètres du point précédent, déclenchera une ambiance différente à partir de ce nouveau point d'impact, laquelle se développera différemment compte tenu de la masse de la pierre, de la force avec laquelle elle a été lancée, etc. Ambiance frontale. Comme son nom l'indique, située au niveau du front, l'ambiance frontale n'est cependant pas limitée au front physique. Cette ambiance vibratoire subtile représente les ambiances physiques, psychiques et spirituelles qui composent tout être humain. Elle est en effet, dans son ensemble, la résultante de toutes ces ambiances. Cependant,
en pratiquant expérimenté, saura différencier l'ambiance physique vers le bas du front, de l'ambiance psychique au centre, de l'ambiance spirituelle vers le haut. Il pourra en conclure alors, soit à la prédominance de l'un ou l'autre, ses plans dans le moment présent, ou à leur équilibre. Il pourra également agir sur l'un ou l'autre, selon la conjoncture. Détente en position couchée. En position couchée sur le dos. Installez-vous en recherchant l'aisance pour pouvoir lâcher tout votre corps. Allongez les jambes, elles sont légèrement écartées. Décontractez cuisses et mollets en laissant les pieds s'écarter en éventail. Les bras allongés sont raideurs de chaque côté du buste, les mains étant légèrement distantes de celui-ci. Dirigez les paumes des mains vers le haut pour abaisser les épaules vers le sol. Veillez à ce que ces dernières soient également abaissées en direction des pieds. Enfin, vous allez mettre la tête dans l'axe du corps pour qu'elle ne penche ni vers la droite ni vers la gauche. Choisissez également le point de contact de la nuque au sol pour que le menton ne soit ni trop relevé
ni abaissée sur la poitrine. Dans le premier cas, la gorge serait tendue et dans le second, elle serait contractée. Dans les deux cas, cela gênerait la déglutition de la salive et en conséquence, la relaxation. Prenez soin maintenant de desserrer les mâchoires et d'entrebâiller légèrement les lèvres. Décrispez le visage en déplaçant votre conscience avec une pensée de détente successivement sur le menton, les ailes du nez, les oreilles. Abaissez les paupières et poursuivrez cette rotation de la conscience sur le front jusqu'au cuir chevelu. Ainsi, intérieurement, le mental se trouve influencé dans le sens du calme. En relation avec le souffle, le corps s'étend détendu, le mental se calme sans autre effort. Lâchez, lâchez, lâchez complètement votre corps et tout votre corps. Abandonné au sol, lourd, très très lourd. Le mental se calme sans autre effort. Votre mental est apaisé. Votre mental est lâche. Maintenant, écoutez le son de votre respiration. Fixez votre attention sur le son intérieur que fait l'air qui entre et qui sort des poumons par les narines. Écoutez. Vous allez jusqu'à écouter le son de l'air qui entre et qui sort des poumons par les narines. Et vous rentrez là, dans cet état de concentration, tout en douceur, cette capacité, cette faculté d'entendre le son de votre respiration de façon continue. Écoutez, écoutez le son intérieur que fait l'air qui entre et qui sort des poumons par les narines. À chaque inspire et à chaque expire, vous écoutez votre attention est tournée vers le son intérieur de l'air qui entre et qui sort des poumons par les narines. Vous allez maintenant porter votre attention sur l'abdomen et maintenir cette attention en écoutant toujours le bruit de la respiration.
Votre attention est là, dans l'espace du ventre, sur l'abdomen. Maintenez cette écoute, l'écoute du bruit de votre respiration sur l'abdomen. Vous allez constater que la respiration se fait naturellement de façon abdominale, diaphragmatique. Vous êtes jusque dans cet état de témoin. Vous vous installez là, en état de témoin de votre respiration abdominale, diaphragmatique. Et vous allez très vite ressentir cette ambiance spécifique. Elle est physique, elle est dense, elle est matérielle. Elle vous situe dans le centre de gravité de votre corps de chair. Elle vous situe dans le centre de gravité de votre corps de chair. Et vous écoutez toujours le bruit de votre respiration abdominale, diaphragmatique. Maintenant, vous allez diriger conscience, votre regard intérieur, là, dans la poitrine, installez-vous là, écoutez votre inspiration et votre expiration là, au niveau de la poitrine, dans la poitrine. Installez-vous là, dans cette ambiance qui va évoluer du physique vers l'émotif dans le cœur, Anahata, centre de l'être humain. Expirez et écoutez cette respiration que se manifeste maintenant là, dans la poitrine. Dirigez maintenant votre conscience dans la zone sumamélonaire. Installez-vous là et écoutez votre respiration là. Elle est plus haute. Elle est sous-claviculaire. Vous écoutez et vous observez l'ambiance qui évolue dès l'émotif vers psychique maintenant, dans la tête, là, le centre de commande. Vous êtes installé là, dans la zone sumamélonaire, sous-claviculaire, et vous constatez
par l'écoute de votre inspiration et votre expiration, que l'ambiance a évolué du physique vers les motifs dans le cœur Anahata, centre de l'être humain, puis vers le psychique dans la tête, centre de commande. Expirez. Vous êtes là, dans l'instant présent, dans votre respiration, dans l'écoute de votre respiration. Vous écoutez le son de votre respiration. Abandonnez-vous à cet état de détente, votre corps allongé, votre corps abandonné, complètement détendu, et le mental apaisé, jusqu'à être là. Installez-vous dans l'instant présent, avec votre corps, votre meilleur ami, et il est toujours dans l'instant présent. Et vous lâchez prise. Et sentez la paix de cet instant avec votre corps. Dites merci à votre corps et lâchez prise.